Salut à toutes et à tous, petite question pour commencer, faut-il de la couleur pour faire un bon jeu vidéo? Eh bien pas forcément, c'est justement le pari qu'a pris certains développeurs pour économiser de la peinture et du feutre, en proposant des jeux vidéo tout de noir et tout de blanc, et avec pour certains un peu plus violent du rouge pour représenter le sang. Chose impensable dans les années 80 alors qu'on venait de découvrir la possibilité de mettre de la couleur dans les jeux vidéo, alors que les premiers jeux vidéo étaient plutôt en noir et blanc, depuis quelques années on retrouve des jeux, voire de très bons jeux en noir et blanc. Un peu comme dans le cinéma, certains films récents optent pour le retour en noir et blanc pour des questions d'esthétisme, un parti pris artistique. Ben c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo. Par contre, ayant déjà fait un top 10 sur les Limbo-like, vous attendez pas à retrouver les mêmes jeux, donc pas de Limbo ou de Inside. Voici donc 10 jeux qui ont oublié d'être en couleur. Certains auront quand même un peu de rouge, ceux justement qui sont plutôt violents. Et on commence justement donc ce top 10 avec le côté ultra violent. J'ai placé Hatred, sorti en 2015. Il fera bien sûr plusieurs polémiques, alors déjà pour sa violence, bon ça ok, mais surtout quand elle est gratuite puisqu'on y incarne un fou furieux tueur en série en quête de génocide de la race humaine tout entière, et pour ça on utilisera quelques armes, des grenades ou des véhicules. Alors gratuite car pour restaurer notre santé il faut exécuter froidement les gens qui demandent pitié, les développeurs ont pris tout de même le soin de ne pas rajouter de voix au personnage afin de ne pas déceler ses motivations ou son idéologie. Par contre, une autre polémique viendra justement de la part du studio polonais Destructive Creation, qui eux ont des motivations et une idéologie. Certains membres auraient des sympathies avec des groupes néo-nazis polonais. Bon, fin de la parenthèse, pourtant numéro 1 des ventes sur Steam, puis retiré de la plateforme, puis remis ensuite, le jeu n'a pas fait l'unanimité auprès des critiques vidéoludiques. Malgré quelques bonnes qualités, il tombe à 43 sur 100 sur Metacritic. West of Lothing vient juste de sortir ce 10 août sur PC et plus tard sur iOS. Il s'agit d'un jeu de rôle solo avec du combat au tour par tour où l'on retrouve ces espèces de personnages en stick que l'on a déjà vu dans bien d'autres jeux. Incorporant pas mal d'humour dans un univers de western, le jeu révèle un gameplay amusant reprenant un univers déjà créé il y a 13 ans dans le jeu Kingdom of Lothing, un ancien jeu par navigateur où l'on avait déjà ce genre de stickman et cet humour très particulier. Traverser des ravins infestés de serpents, affronter des squelettes avec des chapeaux de cow-boy ou se battre contre des vaches démoniaques, tel sera le lot de celui qui essayera ce jeu. Escape Plan, sorti en 2012, est un puzzle platformer, le premier jeu du studio Funbytes Interactive en tant que titre de lancement de la PlayStation Vita, dans lequel on pourra incarner deux personnages, Lille et Larg, à travers une multitude de salles remplies de pièges, utilisant donc parfaitement les fonctionnalités de la PS Vita, dans des décors jouant très bien des ombres et de la lumière, donnant au jeu une direction artistique assez étonnante. On pourra quand même lui reprocher sa répétitivité et sa trop faible durée de vie. Ce sera entendu, le studio sortira par la suite un DLC, rajoutant des salles et du challenge. Le jeu Closer, sorti en 2012, est du platformer réflexion, dans lequel on va contrôler une mystérieuse créature à travers des niveaux en noir et blanc, évidemment. En fait, tout ce qui est plongé dans l'obscurité n'existe pas, il faudra ainsi manipuler diverses sources d'éclairage afin de se frayer un chemin dans différents environnements, le monde de l'usine, le monde du carnaval ou le monde de la forêt par exemple, dans une difficulté progressive. Ce qui marque les jeux en noir et blanc, ben, en général ce sont des ambiances sombres et tristes, accompagnées souvent de bonnes musiques de fond, et ce sera le cas avec le jeu Closer. Drôle de nom de jeu que ce Mésaventure of PB Winterbottom, sorti en 2010 sur le Xbox Live Arcade, on y retrouve une nouvelle fois un puzzle platformer dans la lignée d'un Braid, à l'origine développé par des étudiants. Le gameplay est basé sur le clonage de son personnage, en fait on clone notre personnage qui nous servira ensuite de plateforme par exemple, tout ça dans le but non pas de sauver une princesse ou de sauver le monde, non, il s'agit pour Monsieur PB Winterbottom de voler des tartes, le tout dans une ambiance début 20e sans dialogue, un jeu muet rappelant les débuts du cinéma,
accompagné de mélodies au piano un peu plus modernes qu'il y a 100 ans. Pour le coup, un jeu assez original dans sa direction artistique et édité par une filiale de Take-Two Interactive, c'est plutôt pas mal pour un jeu d'étudiant. Alors le défilement parallax, c'est une technique dans les jeux vidéo popularisée en 1982 dans Moon Patrol qui permettait d'avoir plusieurs arrière-plans qui défilaient à vitesses différentes, cela donnait une certaine profondeur. En 1986 sortait un jeu nommé Parallax, un shoot'em up, et bien en 2015 est sorti un autre jeu appelé Parallax qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de dire. Parallax est en effet un jeu de réflexion qui se déroule dans deux mondes parallèles, le monde noir et le monde blanc. Il faudra être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne dimension, en utilisant des interrupteurs, des propulseurs et la gravité afin d'atteindre la sortie. Un jeu au challenge assez important qui se transformera en véritable cauchemar si vous n'avez pas les neurones bien accrochés à votre cerveau. Alors comme je le disais, le noir et le blanc c'est bien, mais pour un jeu violent, rajouter du sang et cette couleur rouge qui ressort encore plus, c'est utile quand on crée un jeu à la direction artistique qui veut marquer les joueurs. Six is Better Than 12 est un jeu de cow-boy, un top-down shooter dont j'avais parlé dans les Hotline Miami-like. Très dynamique mais intégrant un peu d'infiltration, le jeu se déroule en 1873 en plein Far West américain où la violence est omniprésente. On y incarne un forçat mexicain luttant pour sa survie et sa liberté. Ça ne manque donc pas de difficultés, chaque balle est mortelle. C'est bien qu'il ne faut pas toujours faire le bourrin, ça c'est le côté infiltration. Une atmosphère originale, style dessin au crayon pour ce jeu de fusillade qui sera testé vos nerfs. Autre jeu à l'allure minimaliste mais ne manquant pas de cachet artistique, c'est The Unfinished Swan, sorti en 2012, d'abord sur le PlayStation Network puis ensuite sur les autres supports de chez Sony. Le jeu débute dans un espace complètement blanc dans lequel le joueur, un garçon nommé Monroe, poursuit un cygne, The Swan en anglais, qui a échappé à une peinture. Et tout ça en vue à la première personne, et en même temps on découvre une histoire tournant autour d'un roi solitaire dont la voix est interprétée par le génialissime Terry Gilliam, réalisateur de films étonnants et ancien membre des Monty Python. The Unfinished Swan est lui aussi le résultat d'un projet d'étudiant lors d'un festival de jeux indépendants. Alors ils n'auront pas gagné le concours, et il faudra quand même attendre 4 ans avant que le jeu soit édité. Alors c'est quand j'ai vu la sortie de ce jeu que j'ai décidé de faire ce top 10, et du coup je me suis remémoré quel jeu en noir et blanc a été marquant. La liste est venue assez vite au final. Astez est sorti ce 1er août, alors on peut pas trop éviter la comparaison avec Six is Better Than 12, mais Astez est assez différent, c'est noir, c'est blanc, bon il y a du rouge, par contre c'est en 2D, ou en 2,5D si on veut, en vue de côté, c'est du beat'em all et non de la fusillade, et ça se déroule dans des environnements de l'Empire Aztèque. Bon je pense que vous aviez fait le rapprochement avec le titre du jeu, n'est-ce pas, Astez. Bon bref, finalement ça a rien à voir avec Six is Better Than 12, malgré tout, comme tout beat'em all, il faut que ce soit dynamique et défoulant, c'est ici le cas, on luttera contre des guerriers ou des ennemis issus de la mythologie, on choisit ses missions sur une carte, ajoutant un petit côté stratégique qui n'est pas en noir et blanc par contre, tant pis, ça ne change rien en tout cas à l'efficacité du gameplay de ce jeu, où recherche d'items, sacrifices, combos, bonne rejouabilité seront au programme. Et avant de passer au premier de ce top 10, quelques mentions spéciales qui auraient pu figurer dans ce top 10, ma chaîne c'est aussi ça, découvrir des jeux que l'on ne connaît pas ou peu. Alors sans doute un des jeux qui vous est venu à l'esprit en premier en voyant le titre de la vidéo, et bien moi aussi, Mad World, développé par Platinum Games, spécialiste du beat'em all original le plus souvent, débarque en exclu sur la Wii en 2009.
Plutôt étonnant sur une console familiale que ce jeu d'une extrême violence, mais comme quoi la Wii avait aussi une excellente ludothèque pour les hardcore gamers. On retrouve ici le thème de la télé-réalité, quand le joueur dirige un homme armé d'une tronçonneuse rétractable et qui participe à une émission ultra-violente comme les images peuvent le montrer. Jouable au Nunchuk et à la Wiimote, le but est avant tout de tuer, mais de le faire aussi de la manière la plus spectaculaire qui soit en utilisant par exemple les éléments de l'environnement. Une direction artistique étonnante, sans doute un des premiers jeux qui marque le retour du noir et blanc dans un jeu vidéo. On est en 2009. Bon alors ok, il y a un peu de rouge et aussi un peu de jaune dans les onomatopées. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mad World reste en tout cas une référence dans le style noir et blanc et jeu aussi très violent. J'espère que ce top 10 sur les jeux en noir et blanc vous aura plu et permis donc de découvrir quelques titres originaux malgré le manque de couleurs. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. We'll be right back.